bien, maître d'Amkaya, maître en arts des vivants ancestraux et coach de vie. J'ai reçu une autre question de Halimi qui demandait est-ce que la masturbation est une bonne chose? Bien. Merci pour cette question, cette deuxième question, monsieur Halimi. La masturbation est une bonne chose pour apprendre à se connaître. Par contre, la masturbation qui se termine toujours par une éjaculation est une mauvaise chose. Parce que, un, ça entraîne le cerveau à éjaculer au bout d'un très court moment. Deux, ça déclenche des faiblesses sexuelles à long terme. Trois, ça fait perdre le sperme de sa puissance et de sa force, et ce qui fait que vous pouvez vous retrouver à avoir des difficultés à enfanter. Et de quatre, la masturbation avec éjaculation intempestive finit par développer une fatigue chronique dans votre corps. Donc, faites très attention. Je suis contente de votre question, monsieur Halimi, parce que il est très important de le préciser. On peut apprendre à connaître son corps en se masturbant, mais pour ça, il faut avoir une éjaculation qu'une seule fois par semaine avec la masturbation. Parce que quand vous vous masturbez et que vous vous masturbez tous les jours, moi j'ai eu des personnes qui sont venues me rencontrer, certaines personnes se masturbaient 2 à 3 fois par jour. Donc vous vous rendez compte que c'est pas bon. Ça crée beaucoup de problèmes internes. Et oui, certaines personnes ont besoin de se faire aider parce que la masturbation est devenue pour eux, ils sont addicts, ils ne peuvent plus s'arrêter, c'est nécessaire, ça, c'est constant. Vous pouvez venir me rencontrer ou vous pouvez aller rencontrer quelqu'un, mais il faut bien que vous compreniez, monsieur Halimi, que la masturbation aide à connaître son corps quand on est un homme. Mais se masturber et éjaculer à chaque fois, ça crée des problèmes plus tard. Bien. Donc, voilà, je vous remercie pour cette question, monsieur Halimi. C'était Maître Daim Kaya, maître en art de vivre ancestraux et coach de vie.